Bonsoir tout le monde. En fait, leader majorité dans le Sénat, en fait, en parlant de Mitch McConnell, semaine ça vraiment, il était trouvé dans ses petits souliers, très embarrassé, parce qu'il était trouvé devant des choix qui sont vraiment difficiles. Et au départ, Mitch McConnell était clair, qu'il était dit que lui-même, il n'y a pas d'en causer National Emergency. Parce que ça voulait dire National Emergency, c'est lorsque le président a déclaré un bagage qui permet qu'il prenne des fonds pour l'affecter avec. On va regarder quelle pense qui priorité. Dans le pays ici, comme plusieurs autres pays, c'est le pouvoir législatif là qui est responsable sur qui façon, comme budget, qui vient pour l'État dépenser, répartition comme yo. C'est le pouvoir législatif là, c'est le rôle, c'est ça nous relève, séparation des pouvoirs. Donald Trump qui trouvait le coincé parce que il n'y a pas qu'à jouer un vote au niveau du Parlement pour lui faire ça nous relève construction border wall qui a près de 5,7 millions de dollars. Donald Trump, pour le contourner ça, il dit la déclaré une national emergency pour capable prendre des fonds qui affectés à l'armée, qui pour préparer l'armée dans cas danger, des fonds qui alloués par exemple à combattre drogue et autres pour capable faire un programme qu'il te promet. Bien que McConnell compte ça parce que lui représentait le pouvoir législatif et qu'il comprenne bien ça a servi un mauvais précédent s'il quittait un président républicain. Bal droit, bal autorité pour le faire ça. Puis devant, eh bien, yon, président démocrate, bien doit venir. Nous connaissons que yon un problème qui vient dans le pays, par exemple, ça n'est les gun violence, gun control. Républicain, yon, pas jamais d'accord pour contrôler les armes dans le pays. Yon président démocrate, bien doit venir, mais il dit, là, pour national emergency, pour empêcher les armes. Ok? Donc voilà, le dilemme, et tout ça fait, il servit comme un mauvais précédent. Mais maintenant, allez essayer de comprendre bien. McConnell a deux choix. C'est soit lui fait dit que lui compte National Emergency, parce que Donald Trump pour le sien budget. D'abord, lui demande, McConnell promet que faut qu'il bat compte National Emergency, autrement il pas signé. En fait, ça monsieur comprend. Monsieur comprend que shutdown si tu gagnes lui, il t'a plus problème pour lui parce que dernier shutdown qui se dit là 35 jours, toutes données ont montré que ces républicains ont quitté en chute libre, il avait dit code de popularité au table dégringolé. Monsieur, son bon stratège, il comprend ça. Et il comprend s'il a rentré dans le shutdown encore, c'est presque fini pour ça, les partis républicains. Bien que, faut d'accord tout, le parti républicain, il commence à disparaître, nous, puis ça va entrer en parti Donald Trump, parti, et ça va passer. Maintenant, monsieur te dit, monsieur comprend que, il va dans le choix, l'obligé de sacrifier. Parce que l'idée, il a choisi. Déclaré Donald Trump, il a opposé à National Emergency ya, et dit non, et s'il pas bah, promet ça, il y a une possibilité pour Donald Trump pas signer budget ça, qui fait qu'il n'a pas l'entrée dans l'autre shutdown encore. Donc, il y a l'autre shutdown, et McConnell comme stratège, comprendre que ça t'a blessant, et t'a pis mal pour parti républicain. Monsieur est obligé d'entrer tout orgueil, faire déclaration ça au niveau du Congrès pour dire qu'il va soutenir shutdown. Comprenez bien, l'on parle de faire déclaration ça, c'est un message, c'est comme quoi il vend. Pouvoir que le gagne. Pouvoir que le gagne pour décider combien corps qui pour bailler pour tel bagage. Ça veut dire, son bagage qui est vraiment dur. Et que, monsieur, fait un bagage qui a sali. Il y a un mauvais précédent. Jean-Nancy Pelosi dit, il dit attention, il va toujours au pouvoir. Comprenez ça, ça veut dire. Démocratie, tu fais ça, il paye le chef. Si je le dis, il y a deux Supreme Court juges qui nommés par Donald Trump, c'est parce que dans le passé, démocratie, tu fais même erreur ça. Qui ça a été fait? Lorsque les républicains étaient gourmés avec eux, c'était difficile pour eux de mettre ça des juges au niveau fédéral. Eh bien, Red qui était leader, ça le fait. Monsieur choisi retirer question 50-60 voix pour nommer un juge fédéral, il passait la 50-50. C'est ça qui fait qu'on pile juge que Obama était arrivé nommé au niveau fédéral. Eh bien, il y a une faille sous Donald Trump. Parce que. Mais comme elle dit, ça devait être déjà comme précédent. Eh bien, pour moi, mais au Supreme Court, je vais prendre 60% encore, je vais prendre 50-50. Une fois que je ne dis rien, deux juges dans le Supreme Court que Donald Trump mettait. Comment il y a des gens, gros pions. Lorsqu'il y a deux juges au Supreme Court, ce n'est pas là ni pour 5 ans, ni pour 10 ans, ni pour 20 ans. Il y a là à vie. Donc, la démocratie a payé un mistake, ça, que vous avez fait lorsque vous avez choisi, changer la loi, ça, qui dit que pour nommer un juge fédéral, ou pas besoin de 50 sénateurs, pour prendre 50 simplement. Donc, ça, c'est un exemple clair de ça nous relève lorsqu'on fait politique de mauvais précédent. Comme elle, je dis, pas le choix, l'oubli, il dit que la backup ça.
Ba komplezan mwen di ke l pral gen, non, men se sa al te oblije fe pou ke Trump te kapab siyen. Mètenan, ki yon bagay la pral gen? Sa nan tout konen, se ke, e bon nouvel la, se ke pap gen shot down, se ke definitivman Donald Trump pral siyen, tout a jansyo pral ouvri, notamman ARS pap afekte, moun ki gen taksyo, ki ap jwen ni. Sa se bon nouvel la. Mètenan, lòt aspe, an di, bon nouvel pou tout moun, men moun nouvel pou republiken yo, se ke, yo sal tèt yo, dan le sens ke sa nivele le pouvoir legislatif ke yo mette en danje, e an pil kompren sa, e van na fan di tou, gen yon sam de republiken nan wan ap pale la, ki ba rache nan logik sa, gen yon sam de republiken la, le yo pral vote kap vote kont, an sa kpal basse, gen plizye opsyon, le yo ta pose nan si Pelosi kesyon ki sal pral fè, piske Trump pral deklare national emergency, eske pale de la justice, Pelosi kon bon stratej di bon li men, li pa di ke le pral sal pral fè, la pe eksplore opsyon. So, an vous dit que, li pou kon vle di sal pral fè, vase veritab stratej la pa jam dou sal pral fè, el gen plusieurs opsyon. Vreman gen plusieurs opsyon. Li pou kon di jan pral kombat. Mètenan, Donald Trump, loske pral deklare machin si, sin tap tande li, li kwe ke, premièrement, yo pral challenge nan kote, el kwe ke la perdi nan kote. Mais d'après lui, il dit que le bralé dans le Supreme Court, il dit qu'il y a plus de chance. Il dit Donald Trump connaît bien propre que ça l'a fait à la. L'a dit le jeudi demain, si il a obligé de camper sous lui. Donald Trump lui-même a cherché à satisfaire base, point barre. National Emergency, c'est certainement qu'il y a des républicains qui comprennent ça tout. Maintenant, on regarde les premières phases là. Option 1, Nancy Pelosi capable de choisir, parce que là, on a balle droit ça, le pouvoir législatif vient de mettre en retrait. Ça veut dire forcer un président à rétracter un National Emergency. La loi baille pouvoir législatif. Très certainement, il y a une option. Mais au niveau de la house, il y a voté. Il y a voté pour demander pour Trump retourner sous National Emergency. Et il y a besoin de vote là. OK? Maintenant, ça va passer. Aussi, au niveau de l'Ibale dans le Sénat. Maintenant, l'Ibale dans le Sénat, vrai problème. C'est comme poisson boum, l'Ibale dans le Sénat. Parce que le Sénat, stratégique, il y a un vote qui est difficile. Quand on est chaque fois qu'on va voter contre le président, il est un peu difficile. Ça, ce qu'on fait, c'est pas mettre le vote là sous fleur là. Et dit pour que le sénateur ne prenne pas prendre compte de ça. Or, d'après la loi, en ce qui a trait à National Emergency, eh bien, Macomel n'est pas capable d'utiliser. Parce que la loi dit qu'il y a 18 jours pour mettre le vote là sous fleur là. De toutes les façons, on va l'obliger à voter. Et voter, toutes données ont montré, les républicains ont compte ça, il n'y a pas besoin. Bien que la majorité, il n'y a pas besoin de tous les républicains qui prennent d'accord pour dire oui ou d'accord. Ça veut dire qui ça? Là, on a parlé là, vote pour faire Donald Trump retourner back sur National Agency. Là, on a parlé, donné au dit, la passer dans la Chambre des députés, la passer dans le Sénat. Tout. Ça veut dire qui ça? Un bon républicain qui ne peut pas vendre le pouvoir au Kéogain. Bien que, dans pile pression qu'a fait sur des républicains, côté Kéogain, et il a retiré, si on vote dans l'autre sens, c'est comme quoi il a retiré le droit que Donald Trump gagne pour lui et un président. Vous faites comprendre que tout le monde s'est dégagé, marcher des présidents. En pile pression en fait sous sénateur. Mais vous pensez que c'est extrêmement difficile pour convaincre des trois sénateurs républicains pour marcher dans la logique ça. Parce que ça n'a pas de négo là. C'est vendre le pouvoir que vous avez. Pouvoir que vous avez pour partager comme pour dire mes côtés pour cobaler. Donc vraisemblablement, lorsque le passé dans le Sénat député, vous parlez de Donald Trump qui a veto. Et la tournée. Pour révoter l'encore pour une majorité de tiers pour qu'il y ait un veto proof. Je veux dire que ça. Il y a une possibilité pour qu'il y ait un vote veto proof. À la fois, Chambre députée et Sénat qui fait facilement que Donald Trump pas qu'à faire dans la majorité. Mais en tout cas, c'est politique. Ça arrive que il n'y a pas une majorité dans le Sénat. On dit ça qui arrive parce que la politique n'est jamais en ligne droite. Parce que je nous dis là, il y a un pile qui fait pression là. Notamment, nous avons l'ENC qui fait comprendre que l'acteur républicain qui va le voter. Qui va voter contre National Emergency. Donc, il y a pas en pile pression. Parce que vous connaissez que vous avez un républicain qui va bailler. Donc, on t'a dit que vous avez pression, ça a marché. Qui est difficile. Parce que mandé on est pour lui voter, côté dit oui, côté que lui d'accord pour que un président déclare National Emergency pour le cas de COB pour faire un projet que lui, il est difficile de vous convaincre de toi, sénateur. Ok? Mais maintenant, ça arrive que vous n'avez pas de tiers là, parce que pour vous veto pour ça fait veto pour là. Lorsque on va voter à la fois par Sénat et député, il faut qu'il y ait une majorité écrasante. Elle veut dire 2/3 du Sénat, 2/3 Chambre des députés pour que le président n'a pas qu'à veto. C'est là peut-être la difficulté. Parce qu'il y a toujours un des trois qui s'en va des alliés aveugles du pouvoir exécutif. Donc, il y a l'INSEE, allié aveugle.
qui prêt pour le vendre tout ça qu'il y a à tout prix. Donc, mais option de tout, c'est que au niveau de la vous savez qu'à choisir les formes de la justice, et tout le monde connaît la justice par exemple, son bagage complètement illégal, ça va le faire. C'est ça nous a relé, on dit son vol, réappropriation de fonds de manière illégale à d'autres facteurs. Donc c'est là où aller. Donc de la justice, tout le monde connaît à gain. Maintenant, Donald Trump dit qu'il y a un bon shot. Il va même dire qu'il y a rien, non? Il dit peut-être qu'il y a un bon shot dans la Supreme Court. Parce que lui-même tout le connaît qu'il y a un dossier illégal. Mais troisième facteur, tout pas oublier que y a un bon habitant dans la zone côté où il y a construit mieux ça. C'est terre, c'est caillou, c'est l'église. Ensemble de monde, ça a choisi la justice tout. Ok? Donc voilà, mais j'en donne à eux, sous cause national emergency, qui est côté Trump. Trump déclare lui-même qu'il y a près de 8 milliards de dollars. Côté que il parle couper comme. Nous bien dit couper comme, retirer comme. Non, mais militaire. Comme il y a besoin pour être capable de rouler, ready next week, il dit qu'il est capable de presser, il y a la guerre ensemble de construction. Donald Trump dit, ça n'est pas tellement important, nul n'a plus important pour le militaire après. Il parle couper comme pour le combat qui a fait contre drogue et autres. Après, dit son président qui a plagué l'école, il a coupé comme, prend comme, dit, mais côté, ma prend comme. Ce sont des autres, si vous avez tombé à quoi ça passe. C'est complètement l'anarchie. C'est la mort de la Constitution. Parce que pour. Parce que données statistiques ont montré que. Attendez bien. Pendant que Donald Trump a parlé de une crise sous frontière là, statistiques ont montré que. Ça n'a pas les cross-border. Dans toute histoire, il y a un déclin. Le plus bas niveau dans toute l'histoire. Moun kap travers ses frontières. Toutes données ont montré. Puisque, pour monsieur de vous dire illégal, il dit c'est criminel. Données ont montré, puis faire moun qui criminel. En termes de pourcentage. C'est pas illégal. Donc, toute statistique qui montre que ça me s'est décrit comme un bagage alarmant, comme une crise. Et l'un des statistiques, c'est les données qui viennent au niveau du département de la sécurité, eh bien, pas de causer ça. Donc, voilà les faits. C'est qu'il n'y a pas de national emergency. Donc, très certainement, on dit, c'est un bagage pour figure de notre parfait, mais on connaît que jeudi à soir, elle a déclaré l'emergency. Avant ce matin, elle a été bloquée. Donc, voilà toute l'histoire. Mais, la bonne nouvelle, c'est que pas de shutdown, le gouvernement va l'ouvrir, ARS a fonctionné, mon apparent petit cobri fond yo, bien que nous disons jeudi à 15, entre parenthèses, c'est jeudi à, il y a commencé pour moun qui gagne petit moun yo. Il t'a traité ouvrir longtemps. Bien moun qui commence à joindre cob là, moun qui était fou depuis le 28 qui pas gagne petit moun. Ça en parenthèse nous ouvrir, mais moun qui gagne petit moun, il y a commencé process taxio à partir de jeudi à qui 15. OK. Donc nous dépoté et update pour comprendre Mitch McConnell, en tant que stratège, qui vraiment pas bien le choix, parce que pas de blague pendant le shutdown encore, et pour Trump te voter, le t'es obligé de faire promesse là. Mitch McConnell, que tout le monde reconnaît comme stratège. C'est le t'es goûté en pile avec Donald Trump, notamment au temps avec. Il s'est goûté en pile, excusez-nous, avec Obama. Obama t'es pour aller voter un juge, dans fin mandat. Monsieur Goumé, ça va passer. Lundi juge, t'as pas n'importe juge. Supreme Court. Il s'est goûté voter Monsieur Goumé, et jusqu'à ce que Obama allait. Et mais juste pour que ça pas passer. Donc voilà, nous devons update pour comprendre qui genre que républicain stratège républicain va dans le Mitch McConnell qui t'a trouvé long choix difficile et qu'il était obligé de choisir. Choisir entre shutdown et l'institution. C'est l'institution parlementaire, c'est ça le faire là, c'est l'institution parlementaire qui ça dit. Donc il t'a fait choisir ça parce qu'il connaît que c'était fini. C'est une date de shutdown là, c'était presque fini pour le parti républicain. Et tout le monde va prendre au sérieux encore. Donc voilà la réalité pour comprendre le choix de McTominay qui déclare à Bouchli que le bras supporter une national emergency qui c'est un véritable boîte. Mais il fait justement pour sauver ça le parti républicain. Donc voilà l'idée. Donc nous devons porter un update pour sous causer ça. Donc j'aime toujours dire reconnecter avec nous là pour nous analyser porter toute information qui domine l'actualité. Portez-nous bien.